monde, aujourd'hui on se retrouve au lac de Cécélès dans l'Hérault, qui est tout proche du Pic Saint-Loup. Je viens faire un coucher de soleil ici, sans vraiment savoir ce qui m'attend. J'ai vu quelques photos sur internet, le lac a l'air super beau, d'une couleur assez bleu clair. Donc je pense que je vais chercher une composition au niveau du lac, donc je vais me balader, il est encore tôt. Et j'ai aussi quelqu'un qui m'a parlé du coup d'un point de vue, parce que le lac est un peu enclavé du coup entre des toutes petites montagnes. Et du coup je peux apparemment accéder à un point de vue où je vois l'entièreté du lac et aussi le Pic Saint-Loup de l'autre côté, donc il y a moyen que ce soit un endroit sympa. Si je trouve rien au bord du lac, je pense que je vais finir par monter, et sinon dans tous les cas j'y retournerai peut-être une prochaine fois. Alors, premièrement, je vais monter au point de vue, voir s'il y a un truc de sympa à photographier. De là-bas, je devrais avoir une vue du coup sur tout le lac. Mais avant ça, on m'a dit que c'était un tout petit sentier. Et pour l'instant, je le trouve pas. Donc, je suis pas doué. Je vais essayer de trouver ça. De toute façon, en gros, je dois aller là-bas. Donc, si je marche comme ça pendant longtemps, je pense que c'est mauvais. D'accord. Yes! En fait, c'est assez dingue parce que du coup, vu qu'on est en fin d'été, le lac est pas mal baissé. Après, c'est peut-être aussi une gestion hydraulique du lieu, ça je saurais pas vous dire. Mais du coup, les berges sont vachement retirées par rapport à la normale, je pense. Par exemple, là, on a des roseaux derrière qui sont à une dizaine de mètres de la berge alors que normalement ils sont collés. Donc, à mon avis, c'est vraiment temporaire. Que l'eau soit aussi bas, et du coup on voit tous les arbres, à mon avis c'est des genres de saules ou quelque chose comme ça, qui sont habituellement dans l'eau, les pieds dans l'eau quasi toute l'année. Là ils sont en dehors, ils sont complètement secs et ils sont recouverts de débris qui sont dus du coup à la baisse des eaux, parce que tout ce qui était en surface de l'eau, tout ça a fini par s'attacher aux arbres. Et quand l'eau est descendue, tout ça est devenu apparent en fait. Donc c'est assez intéressant, mais pas du tout facile à photographier. Et en plus, le sol n'est pas du tout homogène parce que il y a beaucoup de sangliers, parce que je vois, qui retournent le sol pour chercher à manger. Donc le sol est complètement défoncé derrière moi. Et du coup, c'est assez compliqué pour moi de trouver une composition. Donc, peut-être que le fin mot de l'histoire se réglera plutôt dans l'hiver, où je reviendrai peut-être et je pourrais faire une sortie photo ici avec de l'eau un peu plus haute et du coup des conditions photographiques plus faciles pour moi. Peut-être que je vais trouver une composition d'ici tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais je perds pas espoir. Salut à tous. Alors ça fait 2 semaines que je suis pas revenu ici. La dernière fois j'ai abandonné la vidéo lâchement parce que j'ai pas trouvé de composition et les lumières étaient vraiment pas top. Donc j'ai pas trouvé intéressant de garder
de montrer ce qui suivait. Mais par contre, du coup, en expérimentant un peu le lieu, j'ai pu apprendre un peu plus sur les lumières et ce qu'avait besoin du coup de cet endroit. Pour la composition que j'ai trouvée, donc qui est toute simple, c'est au bord de l'eau, avec l'horizon à moitié de ma photo en horizontale, avec du coup les montagnes en reflet comme un miroir quoi. La moitié du haut, donc le ciel et les montagnes, et en bas tout le reflet. Du coup, ce qui manquait cruellement, c'était des nuages, et des nuages qui prennent une couleur ou alors qui soient intéressants visuellement. C'est-à-dire donc soit qu'il y ait de la couleur, soit qu'il soit un peu dramatique, c'est-à-dire avec de l'orage ou des nuages très contrastés. Et c'est ce que j'espère qui va se passer ce matin, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. J'avais regardé sur l'application Clear Outside et il était censé avoir des nuages de haute altitude, c'est pour ça que je suis venu ce matin. Mais malheureusement on dirait que c'est pas le cas. Le soleil se lève dans 30 minutes, donc il y a encore un peu de temps quand même, les nuages bougent assez vite j'ai l'impression. Donc c'est possible d'avoir quand même un joli lever de soleil je pense. Alors voilà, premier test sur la GoPro pour faire de la vidéo. Alors, ce que je vais faire du coup, c'est un panorama. Là, je commence à avoir de belles lumières. J'ai un ton vraiment rosé qui commence à apparaître là-bas. J'ai quelques nuages qui commencent à prendre un petit peu de lumière. Donc, je vais en profiter à commencer à faire mes panoramas maintenant. Alors j'ai bien mis mon trépied droit, comme ça mon panorama sera bien droit dès que je l'assemblerai sur Lightroom. Alors je fais bien du coup attention à ce que rien ne soit cramé dans ma photo. Hop. Donc pour avoir un peu une petite longue expo, je me suis mis à f11. Hop, qui veut bien revenir. F11, donc ISO 100, j'ai pas de choses. Donc je garde la qualité et je suis à 1/6 de seconde pour l'instant. Après, plus le soleil va se monter, du coup plus je vais baisser en temps d'exposition, mais je resterai pareil sur le reste. Du coup, je commence juste par ma main. Hop, comme ça ça délimite bien mon panorama sur Lightroom. Du coup, les 1,6 secondes de temps d'expo me permettent, même s'il n'y a pas beaucoup de vent, il y a de bons reflets de base, me permettent d'avoir quelque chose de vraiment lissé et de vraiment effet miroir, du coup, ce que je recherche. Et du coup, maintenant, je vais refaire ça pendant, je pense, une bonne 30 minutes. Et ensuite, je choisirai du coup sur Lightroom le panorama que je préfère et qui s'affichera du coup sur l'écran. Ouais, bien finalement du coup il y avait bien des nuages de haute altitude, mais c'est juste que je suis mauvaise langue et il y a surtout mon appareil qui a plus de batterie. Allez, j'ai envie de mourir. Tac. Ouf. Et du coup, ce que je disais avant que je perde la batterie, c'était que j'ai été mauvaise langue parce que là, actuellement, il y a de très très belles couleurs. Et c'était du coup bien des nuages de haute altitude, mais que je ne voyais pas du coup de nuit. Et ça ne m'est pas venu à l'esprit que ça pouvait être des nuages du coup très fins. Et du coup, là, il y a une couleur rosée dans le ciel qui est vraiment magnifique. En plus, j'ai quelques nuages qui apportent de l'intérêt du coup au milieu de de mon panorama. Donc finalement je pense que ça peut être une photo dont je suis assez fier. Pourquoi quand je fais des photos, bah là j'ai quand même de beaux nuages, je peux pas me plaindre, mais pourquoi quand je fais des photos dans un côté, voilà, bah je vais essayer de montrer, mais je vais mourir je pense, mais je sais. Oh, les ronces dans le mollet, ça fait mal. Pourquoi du coup, ce que je disais, quand je fais des photos là,
il y a juste trois petits nuages. Et là, là juste derrière où il y a le pic Saint-Loup, tout ça, et où j'ai jamais de nuages, ben, il y a encore des putains de lumières, comme la dernière fois. Donc je pense que le jour où je reprévois de venir ici, en fait, faut que je fasse une feinte et que je parte direct au pic Saint-Loup. Je pense que c'est un coup monté parce que... Enfin, regardez ça. Ça sur le pic Saint-Loup, c'est vraiment magnifique, quoi. Mais bon, un jour, j'aurai de la chance, j'aurai la même chose qui est juste là. Et je l'aurai sur la composition que je veux cette fois. Bon, je dis pas, mon panorama, il doit être quand même sympa. Mais, ça me fout les boules. Plan de méga dernière minute. Je vais essayer de prendre des photos, des couleurs, mais je pense qu'elles vont durer que quelques minutes. Je vais essayer de vraiment trouver le point pour aller là-haut, parce que je l'avais pas trouvé la dernière fois, mais apparemment il serait un peu plus bas. Donc je me dépêche. Bon, et bien encore une fois, échec cuisant. J'essaierai de me renseigner sur internet, mais je crois qu'il n'y a rien sur ce point de vue. Sinon, à travers les arbres, là je suis dans une pinède. Et je vois le pic Saint-Loup et l'Ortus, et ils sont rouges avec des nuages noirs derrière, et il est magnifique. Je l'ai jamais eu dans des conditions comme ça, je l'ai déjà vu en photo comme ça, mais jamais eu l'occasion de le photographier. Et ça sera encore une fois pas ce matin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo sur deux sorties, une peu prometteuse et une prometteuse, mais qui aurait pu être plus prometteuse. Sacré nom, ça, je pourrais faire un titre de vidéo comme ça. La vidéo prometteuse qui n'était pas prometteuse, mais finalement avec une autre sortie prometteuse, mais qui aurait pu être plus prometteuse. Dites-moi si je dois la nommer comme ça, la vidéo. Je sais pas si elle donnera envie. Bon, sur ce, cette fois, c'est la bonne. Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.